Ouais, désolé, ça a coupé. Ça me l'avait fait déjà la vidéo d'avant, je ne sais pas pourquoi. Donc nous voici de retour donc avec la Damien Inglis Immaculate. Donc je disais, je l'ai payé genre 7$, donc c'est pour une jolie carte comme ça, c'est plutôt plaisant. Vive la France. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour terminer. Les autos de français. On va passer à des autos de Détroit. Y en a des très jolies sur la fin. Donc ça c'est voilà, Kim English, donc toujours grand joueur. On l'avait vu sur ma vidéo où je fais ma présentation des autos, des pistons que j'ai. Bah les coupes, parce qu'elle est transparente, mais bon, en dehors de ça, pas un grand joueur. Une autre en Absolute Memorabilia. Ah non, basketball, pardon. Sur 399. Donc on passe très vite. Ce sont des joueurs un peu dont on se fout. Walter Shep. Pareil. Dajuan Summers. Ça, c'est les plaisirs des joueurs draftés qui ne feront rien. Hop. Petite Jonas Jerebko. Un rookie, on card. Une oups de cette année. Ken Benson. Très jolie moustache. Un joueur que j'ai aimé son passage chez nous, mais il a eu des problèmes de dos, je crois. Blessure au dos et ça l'a poursuivi le reste de sa carrière, mais j'aimais beaucoup son poste 4, capable de shooter au large. John Lewis. Donc ça c'est la housse de l'année dernière. Non, voici ça, 19-20. On en a une. Et on a la prisme. Hop. Toujours John Lewis. 17-18, prisme. Alors, grand joueur. Pareil, hein, grand joueur par la taille, mais. Alors, le nom, Kravtsov, Vyacheslav. Donc, c'est un Ukrainien qui avait été drafté par Détroit. Hop. Par donc, Joe, hein, bien sûr. Et qui ne fera rien chez nous. Voilà. Je n'avais pas d'auto de lui, donc c'est fait. Joli select. On oublie presque qu'il y a des autos dans les selects. Mais ouais, c'est le cas. De Henry Henlesson, Select 18-19. C'est plutôt réussi. Bon, c'est dommage que le joueur soit n'ait rien fait chez nous, mais sur 299, ouais. Et ouais, des auto-select, c'est rare. Parce que Select, on pense toujours aux variations et compagnie. Mais alors, celle-ci, je la voulais. Parce que bah, c'est une erreur card en fait. C'est une erreur card parce que bah, Zaire Smith, il n'est jamais passé par Détroit. Hein. Il n'est jamais passé par Détroit. Tout est Détroit. Mais. Enfin, il faudrait vérifier, attendez. Zaire Smith. Zaire Smith. Oh, il me semble pas. Hein. Il me semble pas, il me semble pas. Je crois qu'il a fait que Philly. Hein. Philly, ouais. Drafté par Philly, il fait 2 ans et. Je sais pas pourquoi, donc peut-être que les couleurs leur ont rappelé. Donc voilà, petite erreur card sur TCDB, c'est pareil, hein, il est affiché chez Détroit. Donc voilà. Une rookie card auto de Luke Kennard sur 149. Donc ça c'est du statut hein, en pink. Pareil, une rookie card. Spectra de KCP et sa jolie signature qu'on a déjà vu dans la vidéo d'avant sur 99. Voilà, voilà, là promis c'est la dernière de ces coups. Donc ça c'est du contender de cette année. Hein. Sophomore sur 25 en bronze. Et mes trois préférés. Une très jolie obsidienne de Goyer, de Marc Goyer.
première obsidienne, je la trouve très belle sur 50 de l'année dernière. Une rookie card auto d'André Drummond. C'est ma première auto de Drummond, je n'avais pas encore. Bon, c'est pareil, hein, sa cote a beaucoup baissé, donc c'était le moment. Pareil, jolie card, hein, c'est du signé on card. D'ailleurs, je ne connaissais pas cette, c'est Momentum. Et celle-ci, bah, je l'attendais depuis un bout de temps, et elle a mis du temps à arriver, donc je n'avais pas pu la faire rapatrier sur l'ancien, sur mon premier envoi, et donc j'adore cette carte. Hein. C'est, voilà, tout est réussi dessus. C'est de la Impeccable. Kelly Triple K. Tout est beau, hein. C'est la coupe de cheveux, la moustache, les chaussettes remontées. La signature est sublime, vraiment. Très très belle signature, très travaillée. J'espère pour lui qu'il n'en signe pas beaucoup, parce que s'il s'applique autant à chaque carte. Mais ouais, cette auto-là, je l'adore. Même les vieilles Adidas, ah, ça sent. C'est d'époque, quoi. C'est d'époque. Donc voilà, la fin de mes autos achetées. En tout cas, on va ensuite passer au résultat de break avant d'ouvrir les deux projets, enfin les deux tops en baseball. Hein. J'ai pas précisé pour ceux qui ont pas l'habitude, c'est du baseball. Attendez, ça je vais le mettre de l'autre côté sinon je vais le faire tomber. Donc on commence par. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai pas reçu. J'avais un autre break et j'ai pas reçu en envoi. Peut-être que. On commence par du clair Lidon russe de cette année. Donc, je l'avais dit un peu sur le groupe, mais que de la base. Hein. Aucune bronze, aucune. Donc voilà, Jeremy Grant, Stewart, Sabenny. 5 fois Sabenny. Hein. On est content. Kylian et Sadik. Ah, Kylian qui s'est. Ok. Donc voilà, donc bah t'es content hein, quand tu fais un tirage comme ça, rien de fou. Donc ça, hop. Ensuite, j'ai fait un break impeccable de cette année. Donc j'ai eu cette Isaiah Stewart sur 60 en rookie card, très jolie. Et c'était un break pour Stewart, hein, faut croire. Hein. Voilà, l'auto sur 99, Rookie Signatures. Très très belle auto. Très content de l'avoir celle-ci. Donc ben on a eu de la chance. Hein. On a eu de la chance. Sur le break Impeccable. Et sur. Le break. Bon, je vous en avais parlé déjà de celui-ci, hein, je vous ai spoilé un peu, mais du noir de cette année. Voilà, les deux cartes, et c'est incroyable de les avoir en main et de les voir de ses propres yeux. Donc, l'auto, ici Thomas, sur 40, et le patch. De Kylian Hayes sur 10. C'est magnifique. Alors, par contre, je n'ai même pas vérifié. It's not associated. Voilà. Voilà. Comment perdre tout son charme en 2 secondes. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Mais, ouais. Pas pareil, hein, de la réussite sur ce break-là. Hein. Et voilà, mes retours de break. Et ben on va passer au. Ah, il y a du beau, il y a du beau, je pense. Alors on va commencer par celle-ci. Tiens. Parce que je crois que c'est la plus ancienne. Ah non, 2021. Non, non, bah du coup, c'est bizarre. Parce que je ne l'ai pas vu passer sur le site. Est-ce que je suivais déjà le baseball à cette période-là?
Je sais pas. Vu que j'ai pris en cours au début de la saison. Du coup. Et donc voilà. Tiger Stadium. Avec, donc on le reconnaît, hein, on a le même derrière. Hop. Le petit tigre. Et donc, le stadium. C'est très beau. C'est très très beau. C'est bizarre. Hein. Design by FDOT. Avec la petite histoire derrière. Et donc, celle-ci. Elle a été commandée sur le site directement. Mister Akil Badu en rookie card. C'est très épais quand même. Donc, design by. Plus qu'il l'a fait celle-ci. Tyson Beck. Voilà. Qui reprend donc le 90 Topps Baseball. Donc voilà, mes deux premières Topps. Enfin, dans ce style de projet en tout cas, très content. Et il y en aura d'autres qui vont arriver. Il y en a combien? Une, deux. 4 je crois de tête qui vont arriver normalement. Quatre autres. Et ben voilà les potes, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis très content. Belle réception. Une très très belle réception. Là, je pense que ben voilà, le prochain retour, ça se fera courant décembre normalement. Peut-être avant si je veux les avoir avant les fêtes. Eh ben, merci d'être arrivé jusqu'au bout pour ceux qui ont suivi et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, au revoir.